Ce carré était divisé en 10 bandes de même aire. Donc là, c'est un carré. Et on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandes qui sont toutes identiques, donc qui ont la même aire. À quel pourcentage de l'aire du carré est égale l'aire des bandes bleues? Donc on nous demande d'exprimer en pourcentage la surface qui est coloriée ici par rapport à l'aire totale du carré. Alors ici on a donc 10 bandes en tout qui sont toutes identiques. Chaque bande c'est 1/10. Chaque bande ici c'est 1/10, c'est la surface du carré divisée en 10 parties égales. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4 bandes qui sont coloriées en bleu. Donc en fait j'ai 4 bandes sur 10, 4 sur 10 bandes coloriées. Alors ça c'est la fraction de l'aire qui est coloriée par rapport à l'aire du carré total. Mais nous on veut cette fraction-là en pourcentage. Alors pourcentage, si tu examines le mot pourcentage, ça veut dire en fait pourcent. D'ailleurs, on va dire que la réponse c'est, disons, 5% ou 10%. En fait, c'est une fraction qu'on ramène à 100. Donc il faut arriver à exprimer cette fraction-là comme une fraction qui a pour dénominateur 100. Alors 4 sur 10, c'est la même chose que 40 sur 100. Ça, c'est tout simplement parce que ici, pour passer de cette fraction-là à celle-ci, j'ai multiplié le numérateur par 10. Et le dénominateur, je l'ai multiplié aussi par 10. Donc 10 fois 10, ça fait 100, et 4 fois 10, ça fait 40. Donc là, j'ai deux fractions qui sont égales, puisque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors ça, en fait, c'est la réponse, puisque 40 sur 100, c'est exactement une proportion de 40%. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. En fait, c'est 40%. Voilà, et tu verras qu'avec un petit peu d'habitude, tu arriveras très facilement à faire ces conversions. Donc 4 sur 10, c'est la même chose que 40 sur 100. Et 40 sur 100, c'est exactement ce qu'on entend par 40%. Donc l'aire des bandes bleues, c'est 40% de l'aire du carré. Allez, on fait un autre exercice. Alors cette fois-ci, on nous dit que sur la figure qui est donnée ici, la partie coloriée en bleu représente 100%. 100%. Donc cette partie-là, ça, c'est 100%. Voilà, ça représente 100%. Et on nous demande quel pourcentage représente la figure entière, c'est-à-dire tout le rectangle qui est tracé ici. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. La première, c'est de se dire que finalement ici, si ça c'est 100% de quelque chose, eh bien ça veut dire que c'est une unité. 100% d'un objet, c'est l'objet entier en lui-même. Donc ça va être une unité. Donc j'ai une unité ici, et puis j'en ai une autre qui est exactement la même chose ici, et puis encore une autre qui est exactement la même que les deux autres. Donc ici, en fait, je vais avoir encore une fois 100%, encore une fois une unité, et puis ici, encore une fois, une autre unité, 100%. Donc finalement, j'ai une, deux, trois unités ici, et on peut voir ça comme ça, c'est 3 fois 100%, donc c'est 300%. Voilà, donc le pourcentage que représente la figure entière, c'est 3 unités, ce qu'on peut écrire 300%. C'est 300 sur 100 si tu préfères. Allez, on en fait encore un, c'est assez rigolo. Alors, on va faire celui-là. Ce rectangle a été divisé en 20 carrés de même aire. Donc notre rectangle, c'est le grand rectangle qui est là, et c'est ça qu'on considère comme une unité ici. À quel pourcentage de l'aire du rectangle est égale l'aire des carrés orange, donc de ces 6 carrés qui sont là? Voilà, alors mets la vidéo sur pause, essaye de répondre tout seul à cette question, et puis on se retrouve. Donc on va déjà regarder quelle fraction du rectangle a été coloriée. On a 20 petits carrés au total. Donc la fraction que je vais avoir qui va représenter le nombre de carrés coloriés en orange, eh bien c'est une fraction qui va avoir 20 au dénominateur. J'aurais pas dû prendre le orange. Je vais l'écrire comme ça, c'est le nombre total de carrés pour diviser mon rectangle, et je vais prendre seulement ces rectangles-là coloriés en orange, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai 6 sur 20. Alors ça c'est la fraction, il y a 6 carreaux coloriés en orange sur 20, 6 sur 20, donc c'est une réponse, mais c'est pas la réponse qu'on demande, puisqu'on on veut une réponse en pourcentage. Donc ça veut dire qu'il faut écrire ça comme une fraction sur 100. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais mettre 1 égal, et puis je vais réécrire une fraction, mais en changeant le dénominateur. Il faut que j'ai un dénominateur égal à 100. Alors ici, je vais regarder par quelle multiplication ou division je passe pour aller de 20 à 100. Pour aller de 20 à 100, il faut que je multiplie par 5. Donc je vais multiplier le numérateur par 5 aussi. Alors 6 fois 5, eh bien ça fait 30. Donc finalement, l'aire coloriée ici, ça représente 30 sur 100. Et ça, cette fraction-là, eh bien c'est 30%. Donc la réponse ici, c'est que l'aire des carrés orange représente 30% de l'aire du rectangle total. Allez, on en fait un dernier. Je ne peux plus m'arrêter. Alors, on fait celui-là. Chacun des deux rectangles a été divisé en 5 bandes de même aire. Donc on a deux rectangles qui sont identiques. Et en fait, un rectangle, c'est une unité pour nous. Alors, à quel pourcentage de l'aire d'un rectangle est égal l'aire des bandes vertes? Mets la vidéo sur pause, comme d'habitude, et essaye de le faire de ton côté, et puis on le fera ensemble. Alors ici, en fait, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que notre unité, c'est ça, donc c'est ce rectangle-là. Ça, c'est notre unité. Et là, j'ai colorié, en fait, tout le rectangle. Il a été divisé en 5 parties. Mais j'ai colorié les 5 parties. Donc ce que j'ai colorié ici, c'est une unité entière. En fait, c'est 100% d'un rectangle. Et puis ici, dans le deuxième rectangle, j'ai divisé en 5 parties. Donc la partie coloriée en vert, eh bien, c'est une fraction de ces 5 parties. Et j'ai 1, 2, 3, 4 parties qui sont coloriées. Donc là, pour ce rectangle-là, ce que j'ai colorié, c'est 4 sur 5. Et 4 sur 5, eh bien, il faut que je le mette en pourcentage, donc il faut que j'écrive une fraction sur 100, comme tout à l'heure. Et là, bon, pour passer de 5 à 100, eh bien j'ai multiplié par 20. 20 fois 5, ça fait bien 100. Donc je vais multiplier le numérateur par 20 aussi. Et 4 fois 20, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Et il faut que je rajoute un 0, ça me donne donc 80. Donc ici, dans cette partie-là, ce que j'ai colorié ici, c'est 80% d'un rectangle. Donc tu vois que j'ai colorié finalement 100% ici, plus 80% là. Donc la réponse qu'il faut donner, c'est qu'au total, j'ai colorié 180% d'un seul rectangle. 100 ici et 80 ici. 100% ici, plus les 80% qui sont là.